Salut tout le monde, bienvenue sur la collaboration Beauty Addict Collab. Alors aujourd'hui le thème c'est de vous présenter 10 favoris de n'importe quoi. Alors je vais vraiment y aller au hasard dans toutes mes 10 favoris. Alors pour commencer, j'ai pris ça. Alors c'est un concealer que vous avez vu dans ma trousse pour débutante, enfin que je vais pas trop en parler. Mais c'est vraiment un concealer juste trop bon, il m'en reste presque plus, mais c'est juste un des meilleurs concealers au monde, je trouve, que j'ai essayé, tout ça. Mais j'aime vraiment beaucoup, puis j'aime beaucoup ça en bâton. J'ai un mascara de chez Maybelline, alors c'est le Great Lash. La brosse, elle est big, vraiment grosse, puis j'ai pris noir et brun, parce que je trouve que ça fait pas beau pour moi, genre noir, je trouve que c'est pas beau sur moi. Fait que noir et brun, c'est quand même mieux, mais je préfère brun, mais il n'y en avait pas. Puis, qu'est-ce que j'aime beaucoup de ces Great Lash, c'est que ça fait vraiment un effet naturel que les autres, comme les Rocket, là. Je trouvais que ça faisait trop sur moi, mais je préfère vraiment le Great Lash, vraiment mon préféré mascara, parce qu'il fait juste l'effet naturel. Par la suite, j'ai une crème comme ceci de chez Garnier. C'est une crème intensive 7 jours. C'est vraiment bon pour moi, parce que j'ai vraiment ici, là, la peau très sèche. Alors, c'est vraiment bon pour moi, j'en mets à chaque soir, mais... Ça l'a un petit peu aidé, je vous dirais, mais il faut vraiment que j'en mette plus. Puis elle est aux pêches, puis j'adore tout ce qui est aux pêches. Là, c'est vraiment tout ce qui est aux pêches, je le veux. Alors, j'aime vraiment beaucoup. J'ai une brume pour le corps de chez Dove. Alors, c'est à la grenade et verveine citronnelle. Alors, elle sent vraiment bon. Qu'est-ce qui est moins le fun avec les brumes pour le corps, c'est que ça reste pas longtemps. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut en mettre quand même assez beaucoup. Alors, j'aime beaucoup cette brume pour le corps-là parce que je trouve qu'elle sent vraiment, mais vraiment bonne. J'ai ma montre parce que je la trouve juste vraiment trop belle, puis je l'adore vraiment juste trop. Je l'ai achetée au Tigre Géant, puis elle est vraiment bracelet que j'ai mis pour un favori. Alors, je les ai achetées au Spring, puis c'était pas genre, il y avait pas juste ces trois-là ensemble, il y en avait d'autres, mais je les trouve pas tellement beaux. C'est vraiment ces trois-là que j'aimais. Alors, le premier, c'est... je sais plus comment ça s'appelle, mais un volant, je pourrais dire ça comme ça, un volant de bateau là, que je trouve ça vraiment cute, puis il est turquoise, genre le fil. Ici j'ai un encre de bateau, lui il est super cute avec une chaîne autour, il est vraiment cute, puis c'est beige plutôt, le cordon. Et ensuite j'en ai juste un rose tressé, puis juste vraiment beau, fait que c'est vraiment un favori. Que ensuite j'ai mis souliers Vans. Alors c'est vraiment des souliers juste trop beaux. Moi je trouve ça vraiment beau, tu sais, c'est simple mais c'est beau en même temps, puis tu sais, ça c'est solide, je pourrais te dire ça comme ça. Puis on peut vraiment les garder longtemps. Je les ai pris un peu plus grands parce que comme ça je peux les garder plus longtemps, puis ils sont vraiment beaux, mais là ils sont vraiment sales, je suis vraiment désolée. Ensuite, j'ai deux morceaux de vêtements. Alors, le premier, c'est un pantalon. Alors, c'est un pantalon taille haute que j'ai acheté au H&M. Comme ceci. Qu'est-ce que j'aime moins de ce pantalon-là? C'est qu'il pogne vraiment le poil, tout ça. Puis, j'ai un chien qui perd son poil. Fait que c'est pas très pratique. Mais, je l'aime quand même beaucoup. Puis, j'aime beaucoup les pantalons taille haute. Fait que c'est un pantalon que j'aime beaucoup parce que il me sert de pyjama qui est juste vraiment juste trop confortable. Qui me sert comme quand je suis une journée juste trop relax. Je porte ce chandail là, alors c'est ce chandail ici. Alors c'est If You're New là, comme ça ici. Et j'ai acheté sur un site qui s'appelle Swag Girls. Ouais, en fait, hein. Puis il est juste vraiment beau là. Puis j'aime comment il est fait. Puis genre, c'est un tissu de qualité là, je vous le jure. Puis il est comme ça à l'intérieur. Puis il est vraiment juste. Tu sais, j'aime beaucoup le dollar, c'est sûr qu'il me représente bien, mais j'aime vraiment beaucoup. Et pour le dernier favori, ça se retrouve sur mon iPod. Alors, c'est l'application We Are It, fait que je l'adore beaucoup cette application-là. Je trouve que les photos, tout ça, sont plus belles que Tom Border, là, sont vraiment plus belles, puis c'est juste des vraiment trop belles photos, puis... c'est ça. Puis si vous voulez aller vous abonner à moi, alors je vais aller sur mon profil et je m'appelle Au Trip Noir, tout simplement. Ouais, non, District Dreaming. Ouais, Au Trip Noir, District Dreaming, ça va marcher. Puis j'ai mis une photo à date. Puis la photo de mon petit chat. Comme ça ici, puis j'ai trop chou. Fait que c'est ça, fait que vous pouvez aller m'abonner. Vous abonner à mon We Are It. J'en vais être heureuse. Puis
Alors, c'était tout pour cette vidéo. Alors, j'espère que vous allez aimer. On se revoit pour une prochaine vidéo sur la collab. Bye!